Est-ce que quelqu'un sait vraiment? Comment peuvent-ils au début? Non, pas au début. Rien ne laisse imaginer. Pourquoi tu fais ça? Merde, mais qu'est-ce qui vous prend? Du calme, bonhomme. Pierre Minute, tout le monde descend. Hé, la Minute, qu'est-ce que c'est que cette combine? Mes amis et moi, on vous a payé pour que vous nous emmeniez jusqu'au bout. Je peux quand même te taper 2 kilomètres de descente. Allez, barrez-vous. Je lis sans lettre de trop, c'est tout à fait le genre de fille avec qui j'aimerais me caser. Plutôt bien roulée, beau sourire. Et à sa manière de se trémousser, ça doit être une affaire au lit. Peut-être que tu devrais l'inviter. C'est un devoir impératif. Il est temps pour moi de me lancer dans une affaire sérieuse. Je commence à en avoir marre de ces amourettes étudiants. Est-ce que c'est pour moi que tu parles? T'as raison pour le sourire. Je te raconterai pour le reste. Edgie. La moindre des politesses serait de t'excuser. Mais pourquoi? C'était toi mon affaire sérieuse. Je savais que tu étais derrière. Tu t'imagines vraiment que je vais croire ça? Oui. Je vous ai trouvée divine dans ce rôle. Merci. Ce malheureux a été abattu en pleine rue.
C'est encore un coup d'un groupe de terroristes. On reconnaît bien leur méthode. Et quand est-ce que ça s'est passé? De bonne heure ce matin. Et est-ce que la police les a arrêtés? Un suspect est gardé à vue, mais on ne dit pas son nom. Il n'était pas américain, n'est-ce pas? Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, j'ignore pourquoi j'ai posé une telle question. Il paraît que je suis médium, d'après certains. J'ai un faible pour la cuisine mexicaine, en tout cas. J'ai réservé pour deux. Votre nom, monsieur? Scott James. Tu es la famille. Être obligé de vivre chez ses parents en attendant que je trouve du travail n'arrange rien. Et je vous avouerai que ça n'est pas facile à Los Angeles d'être engagée comme danseuse. Entrez. Il y a quelqu'un ici. Je le sens. Ah, ça recommence. J'ai changé cette ampoule jeudi dernier. Où? À plat ventre! Première leçon. N'avoir confiance en personne. S'attendre à l'inattendu. En venant ici pour l'instruction, vous avez pris un engagement qui va bien au-delà de vos raisons personnelles. Qu'elles soient politiques, religieuses ou simplement d'intérêt. À présent, vous êtes soumis à certaines règles. Vous préférerez la mort à la capture. Et rien ne peut vous persuader de révéler la technique de votre entraînement ou l'emplacement de ce camp. Si vous le faites, votre famille, fils, fille, femme, frère, sœur, seront exterminés sans aucune pitié. Attends, tu vas me payer ça! Pense à ce qui s'est passé, ça me fout vraiment en boule. De l'énergie gâchée, mon vieux. Écoute, t'as tes raisons de ne plus vouloir combattre, c'est ton affaire. Mais ne joue pas les petits saints. Désolé, je m'en prie. C'est à cause de ces terroristes-là, ils sont ignobles. Ce n'étaient pas des terroristes, c'était des ninjas. Quoi? Comment ça, pas des terroristes? Est-ce que tu sais que c'est le frère de Nancy qu'on a arrêté hier à Paris? Comment tu sais ça? C'est écrit dans le journal. Tu veux prendre le petit déjeuner ici ou au café, pas de la salle? Je crois que je vais m'entraîner ce matin. Je vais faire un tour en voiture. Oh, écoute, Scott, tu as vu pire pendant la guerre. Bien pire. Je trouve que t'attaches trop d'importance à ça. Tu ne connaissais la fille que depuis quelques heures. Il n'y a pas que la fille. Je connais la réponse. Toi seul peux enseigner le ninja. Sekura, tu es mon frère.
très bien. Bien, allez, allez, c'est fini. On se fâche pas, on se fâche pas. Je parie que c'est toi. La voiture, ce n'est peut-être que toi. Devant enlever ça. Ça me dépasse de savoir qu'il y a des salopards qui osent tuer des bêtes aussi belles que ça. Ce fumier, entre autres. Pourtant, moi, je suis Clément. Si mon premier coup de feu ne l'a pas tué net, j'accorde une deuxième balle à tout homme. Quant à ce salopard, il n'en est pas question. Lui, je le laisserai souffrir. Ça ne te gêne pas que je parle comme ça? Pourquoi je le serais? J'ai déjà entendu ça 100 fois. C'est là que j'ai du mal à comprendre. Tu entends, mais tu n'agis pas en conséquence. C'est tout juste si tu ne me condamnes pas. Parce que je tue pour vivre. Ce sont des gens comme toi qui montrent le chemin et permettent à d'autres de vivre pour tuer. Hier soir, je suis tombé sur des ninjas. J'ai pensé que peut-être tu connaîtrais la raison pour laquelle ils sont dans le pays. Je t'arrête tout de suite. J'ai une assez bonne connaissance de l'histoire. Et si tu as vu des ninjas, tu vois des fantômes. Je m'y intéresse à titre personnel, non pour affaire. C'est déjà une erreur. Tu vois ces ninjas souvent ou seulement à la pleine lune? Si jamais tu apprenais quelque chose, j'aimerais bien que tu m'en fasses part. Au fait, maintenant, Randy travaille pour moi. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi pas? Un homme n'a besoin que d'un œil pour se servir d'une arme. Ça n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. Tu as tellement besoin de te sentir coupable. C'est dans ta nature. Il est très heureux de ne plus être dans ces saletés de compétition et lui avoir donné goût à la vie. D'ailleurs, il est persuadé que son accident était la volonté de Dieu. Alors tu dois cesser de t'en vouloir, te culpabiliser de la sorte ne fait que te mettre en valeur, à moins que ce soit ce que tu cherches. Tu as toujours su trouver des solutions faciles, pas moi. Et tu es toujours un sombre salopard. Pas moi. Sai. Vous. Nom de Dieu. Moi, je trouverais ça 100 fois mieux s'il faisait ça avec la tête d'un bonhomme. Ça viendra. Salut. Salut. J'ai un petit problème. Est-ce que vous pourriez m'aider? Disons que je peux essayer. C'est loin d'être une réponse catégorique. Vous ne m'avez pas dit quel était le problème. Eh bien, c'est plutôt idiot. L'indulgence est ma meilleure qualité. Dans ce cas, c'est là que ça se passe. On dirait que ma roue arrière ait envie d'aller au ciel, alors que moi, j'essaie de rejoindre Los Angeles. Oh là là! Comment vous êtes-vous débrouillé pour faire ça? Organisation et beaucoup de courage. Non, en fait, je me suis trompée de route et j'ai essayé de faire demi-tour et mon accélérateur s'est bloqué. Je peux peut-être venir me mettre derrière vous et vous pousser, à condition que les pare-chocs soient à même hauteur. Oh, ce serait vraiment merveilleux. Oh, est-ce que ce ne serait pas plus prudent que vous conduisiez ma voiture et que je prenne la vôtre? Pour vous, peut-être. Vous êtes un inconnu, je serais complètement idiote si je pensais à vous avant moi. Oui, en effet. Ne cédez-vous pas trop facilement. Quand il s'agit de satisfaire une jolie femme, j'oublie ma petite personne. C'est du baratin. Heureux que vous le remarquiez. Les clés sont dessus.
Écoutez, je suis vraiment pressée. Laissez-moi vous remercier et j'espère ne jamais avoir à vous rendre le service. Si vous vous trouvez dans les environs, passez 4120 Aston. Venez prendre un verre, ce serait gentil. Volontiers. D'accord. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. Nancha! Styx! Deadweller! Sois sage. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez pris mes clés. Oh, je suis vraiment désolée. Inutile, ce n'est pas grave. Vous pourriez renvoyer votre taxi et je vous reconduirai à votre voiture. Vous n'allez pas un peu vite? Je ne comprends pas. Comment savez-vous si c'est vrai pour les clés? Je n'en sais rien. Léla, peux-tu m'apporter mon sac, s'il te plaît? Et emmène Bertha. Va, mon bébé. Vous désirez rentrer? Non, merci, non. Est-ce que vous rentreriez si je vous disais que j'ai pris vos clés exprès? Probablement. J'aurais souhaité le faire. Merci. Voyons. S'il vous plaît, laissez-moi vous ramener, ne serait-ce que par politesse. À une condition. Vous laisserez le volant, je conduirai. C'est bien vous, Johan? Non. Cette fille dans la troupe de Nancy Bell me l'a dit. Il paraît que vous travaillez avec son frère. Qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez d'une mission. Non, j'ai déjà du boulot. Oui, je sais. J'ai dit que c'était une mission. Mais là, ça va, hein? C'est très important. Mieux choisir tes fréquentations. C'est facile de se retrouver en mauvaise compagnie. Vous aussi ne donnez pas l'air d'être si innocent. Rajoute quelques coups de couteau, un peu d'alcool et après t'iras me le balancer dans cet hôtel sordide de Canal Street. Pendant ce temps, j'éclairerai ce jeune homme sur la parfaite inutilité d'appeler la police, ma grande amitié avec son copain Scott, et je lui donnerai quelques renseignements utiles. Pourquoi vous ne m'avez pas invité à sortir? Peut-être que je sais que vous y attendiez. Alors demandez-moi ce à quoi je ne m'attends pas. Cette voiture est à qui? À moi? Ce n'est pas ce que dit la carte grise. Qu'est-ce que vous faisiez sur la route allant chez Macca? Et chez vous? Thank you.
Non, ne vous arrêtez pas. Je veux savoir qui ils sont. Je sais qui ils sont. Vous avez dit que vous les connaissiez? Oui. Mon père possédait un certain nombre de maisons d'édition et des intérêts en Europe. Mais il y a environ 6 mois, il a été tué par des terroristes. Et en tant qu'héritière de son empire, j'ai commencé à recevoir des lettres de menaces qui demandaient que je change la teneur des articles politiques. Ou bien on me tuerait aussi. J'ai refusé, bien sûr. Alors on m'a conseillé de quitter l'Europe et de venir vivre ici pour quelque temps. Pourquoi ne pas engager un garde du corps ou quelqu'un comme ça? J'en ai engagé 2. Ce sont eux qui étaient dans la voiture. Je suppose que je ne devrais pas me plaindre. La plupart des gens ont peu de raisons de vivre et à coup sûr aucune de mourir. Excusez-moi d'être morbide. Je suis également navrée de vous avoir entraîné dans tout ça. Voulez-vous dîner avec moi ce soir? Est-ce que ça signifie que tout à coup je suis devenue un objet de pitié? D'inquiétude. Merci. Si vous aviez eu affaire à des ennemis, vous et vous, seraient encore en vie. Et vous auriez été blessé ou sur le point d'être capturé. Et vous seriez mort. Même quand le corps est endormi, l'esprit ne dort jamais. Je suis sûr que j'ai entendu quelqu'un. Les hommes de McCann sont là. McCann. Et Justine aussi. Ce n'est pas à mon tueur de se couvrir. Pourquoi est-ce que je te le répète? C'était qu'un rat. Qu'est-ce que ça fait? Ce qui compte, c'est que je l'ai tué avant même que tu le vois. Encore, je te remercie. Désolé pour le retard. Oh, ce n'est rien, je n'ai jamais attaché d'importance aux heures, mais plutôt à la façon de les passer. Que désirez-vous boire? J'ai du scotch, de la vodka, du vin. Ça m'est égal. Bon, attendez, le scotch c'est plutôt banal et la vodka ne se boit pas tellement dans l'intimité. Quels sont vos rapports avec McCann? Et ne me dites pas qu'il vous est inconnu. Les deux gardes du corps que j'ai engagés sont des hommes de McCann. Ainsi que ceux qui nous ont poursuivis cet après-midi. Et moi, je suis convaincu que vous les avez engagés aussi. La vérité avant même un seul verre? Je ne bois pas. Vous avez un personnage, moi je dois m'en fabriquer un. Je vous en prie, ça ne prend pas. Oui, je sais. J'ai les pommettes saillantes, cela donne un air effronté.
La vérité. En fait, à l'origine, je pensais vous engager, mais McCann m'a dit que ce serait impossible. M'engager, pour quoi faire? Pour trouver un dénommé Sekoura. Et le tuer. Pourquoi? Parce qu'il initie des terroristes aux techniques ninja. L'art de tuer silencieusement. En fait, il y a trois hommes. Madoni dans le désert syrien et Chromas en Grèce. Seulement, Madoni et Chromas ont abandonné il y a quelque temps, dû au fait qu'ils ont été tués. Oui, j'ai une certaine part de responsabilité. Dans l'un de ces cas, j'ai fourni l'argent et dans les autres, j'ai fourni les renseignements. Et pour moi, quel était le projet? Eh bien, j'avais espéré que je vous amènerais à vous intéresser personnellement à certaines choses. C'est un affront pour nous deux. Ça fait de moi un imbécile et de vous une putain. C'est possible. C'est pour ça que dans un sens, je suis heureuse que ça n'ait pas marché. Je suis heureux que vous soyez heureuse. Alors, au revoir. N'oubliez pas votre intégrité. Sans cela, on pourrait facilement vous prendre pour un être sans cœur. Assis. Je dois l'en empêcher. Ce n'est pas possible. Justine ment encore. Pas toi, Sekoura. Pas toi. Ce qui s'est passé hier soir a senti un peu trop le roussi pour mon goût personnel. Très bien, mais ce n'est ni à moi ni à toi de faire... Alors c'est taqué. Aux flics, au gouvernement, ils ne peuvent rien faire. Ces gangs sont internationaux. Certains pays refusent de répondre aux demandes d'extradition. Je t'ai dit qu'ils étaient ninjas. Ninja? Oui. Tu parles de tueurs de classe internationale. Ils ont été mis hors la loi il y a au moins 300 ans. Ça ne signifie pas qu'ils ont complètement disparu. Bon sang! On se tape un sacré entraînement, mon ninja. Les types devaient tirer la corde de leur arc pendant 3 ans avant qu'on les laisse tirer une flèche. Mais il y a longtemps que c'est cuit, cette sorte de discipline. Alors revois ça de ton côté, d'accord? Mais qu'est-ce que tu cherches, me laisser tomber? C'est mieux que de parler quand tu devrais écouter. Mais au moins, je reste pas assis sur mon cul comme certains types que je connais. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas du genre à attendre... Justement. J'en ai marre de garder tout ça à l'intérieur. Quel est le but que tu t'imagines atteindre en t'embringant là-dedans? Je sais pas. Peut-être aucun. Au moins, je n'aurai plus à m'inquiéter de passer pour un dégonflé. Hey, G, tu crois pas que tu charries? Je te préviens que t'as intérêt à t'excuser. Je suis dans le hall depuis plus d'une heure à t'attendre et toi, tu l'as. Là, c'est ça. Rien qu'une minute. Tu te souviens que tu m'as parlé d'un vieux qui t'avait adopté? Tu disais que tu ne pourrais jamais y retourner. Et à quoi cela t'a conduit? C'est un truc qui me trotte dans le cerveau depuis longtemps, comme quoi il fait peut-être partie du Yakuza. Et je pense maintenant que c'est peut-être le ninja. Chez lui, tout est franchise. Mon père n'a pas de côté caché. Dans ce cas, disons chacun pour soi. Allez, viens, toi. Devenez mercenaires. Ils sont mal dirigés. Eiji a raison. Je dois commencer à agir moi-même. Oui, je désirais prendre un engagement. Qui prend les inscriptions? D'accord. Ayase Leda. Il est prévu qu'un certain nombre de nouvelles recrues doivent arriver demain. Si nous n'élevons pas le niveau de ceux-là, on ne sera pas en mesure de les accueillir. Arrêtez! Ça, c'est tué. Ça, c'est tué. Ça, c'est estropié. Ça tue. Ça, c'est un déshonneur. Pourquoi? Le monde est plein de ratés. Et nous n'avons nulle intention de grossir leur nombre. Toi, t'es un pauvre mec. Et puis j'en ai marre. J'en ai assez de vos histoires.
Qu'est-ce que tu disais? Tu oserais le répéter? J'ai dit que j'en avais assez de cette merde d'endroit et des cons de ton genre! Biddy. Oh non, non, vous trouvez ces gens-là de l'autre côté. Je vous prie de m'excuser. Oh, c'est pas grave. Allez, on y va, encore une fois. Vous êtes Biddy? Monsieur Biddy. Je suis venu pour m'inscrire. Vous avez de la pratique? Assez. Vous parlez une langue européenne? Ou l'arabe? Un peu le japonais. Il a tout l'air d'un constipé, ce mec. Donne-lui sa chance, s'il te plaît, la chaise. Pourquoi voulez-vous vous engager? C'est bien payé à ce qu'on dit. Nous allons avoir besoin de renseignements sur vous. La ruse est une arme, la tromperie, une façon de vivre. Ça devrait suffire. C'est nous qui reprendrons contact avec vous. Je vous remercie. Je continue de dire que je le trouve constipé, ce type. Il a fallu que tu cherches à le mettre à bout. J'ai horreur qu'on se foute de ma gueule. Qu'est-ce que tu racontes? Il s'appelle pas Steve Colby. C'est Scott James. Non. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Qu'est-ce que Dogo va dire? Plus intéressant. Qu'est-ce que Dogo va faire? Je suis fier de toi, Eiji. Je suis venu à l'expo pour te voir gagner. Maintenant, tu me frappes moralement. Tu m'en voulais aussi de ne pas agir. Puisque nous étions frères. Pourquoi ma victoire n'était-elle pas la tienne?
Demande pardon à ton frère. Et quoi encore? Prouve-moi d'abord que tu le mérites. Lâche! Sekoura! Tu as failli à la discipline. Tu fais tomber le déshonneur sur nous tous. À partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus jamais prononcé en ma présence, ni même dans ma maison. Je te renie à jamais, et je te chasse! Fais en sorte de ne jamais le rechercher et ne jamais lui pardonner. Ce scélérat n'est plus ton frère. C'est ton ennemi pour la vie. Père, je ne comprends pas. Si c'est seulement gagner qui compte, pourquoi n'a-t-on pas appris à perdre l'un de nous deux? Sauriez-vous dire quelque chose de gentil à une dame? Pardon? J'ai dit, sauriez-vous dire quelque chose de gentil à une dame? Asseyez-vous. Merci. Si cela peut vous consoler, sachez que vous n'êtes pas le seul à souffrir de devoir résoudre un cas de conscience. Qui aura un cas de conscience? Oh, je vous avouerai que je ne me confesse pas très souvent et que j'aimerais en finir. Je savais à quel point vous alliez avoir de la peine si je vous parlais de ces quoi. Et très franchement, je suis honteuse de ce que j'ai fait. J'aimerais vous croire, mais je ne vous crois pas. Pas du tout. Pas du tout. Bien, je vais essayer une autre tactique. Si Sekoura était un homme loyal et qu'on l'avait assassiné, de la même manière que mon père, est-ce que vous n'auriez pas eu envie de le venger? Ça se pourrait. Mais je ne crois pas que nous soyons aptes à juger les autres. Pour les juger, il faut aimer les gens. Pour les aimer, il faut les connaître et s'en rapprocher. Et je crois que Sekoura a gâché cela pour vous. Et qui vous l'a gâché à vous? Durant toute mon enfance, j'ai été beaucoup trop gâtée. S'il y a encore peu de temps, tout cela m'était égal. Je sais maintenant que je peux aimer. Je veux que tout cela change. Bonne chance. Me voilà stimulée. Je crois que je suis sur le bon chemin cette fois-ci. Hélas, non. C'est ce que je souhaite. J'en doute. Bien entendu, vous en doutez. J'avais oublié un petit détail. Je me suis prise au jeu avec vous. Aidez-moi à en sortir. Je croyais que tu ne voulais plus chercher l'âme sœur. Justine, voici Eiji. Ravi de vous connaître. Enchanté. Oh, je ne voudrais pas troubler votre intimité. Non, non, ça ira. Tu dois avoir une raison pour l'avoir cachée. Vous avez honte de moi? Nous nous sommes retrouvés là par hasard. J'en suis persuadé. Une coupe de champagne me paraît tout indiquée pour commencer. Tu marches vraiment à côté de tes pompes en ce moment. Je crois que je vais vous laisser. J'aurai à te parler plus tard. Oui. Vous habitez par ici, vous passiez? Je passais. Tâchez de vous le rappeler. Jusqu'au restant de vos jours, vos actions et vos affiliations devront nous être communiquées. Nous avons un code d'honneur qui nous lie. Toute violation est punie par la mort. Sayonara. Qui est là? Eiji. Tu as dit que tu voulais me parler? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que Justine t'a raconté? Bon, rien de spécial. On a bu du champagne et on s'est marré. Tu veux que je te dise, chez cette fille-là, il n'y a rien à jeter. Tu vas bien y regarder d'un peu plus près.
C'est vrai que personne ne l'intéresse à part elle. Tout être humain normalement intelligent est comme ça. Il y a une différence entre être égoïste et se servir des gens. Pourquoi tu crois qu'elle se servirait de moi? Est-ce que ça paraît tellement invraisemblable que je m'y plaise? Bah, tu prends les choses dans le mauvais sens. Scott, depuis le temps qu'on se connaît tous les deux, jamais une seule fois je l'ai eu mauvaise de peur contre toi. Mais ça ne veut pas dire que je suis de deuxième catégorie. Tu es sous. C'est ce que je t'ai dit en arrivant. Togo n'est pas responsable. Mais si j'y retourne, il devrait venir vers moi. Écoute, Togo, pourquoi tu ne me laisses pas rejoindre mon groupe? Je croyais que Sekora était censée te renvoyer dans cette section toute débordante de discipline. Si tu essayes de me bourrer la cervelle et de me transformer en un mercenaire... D'abord, tu dois faire la preuve que tu as une cervelle. Il y a des nouveaux qui arrivent. Viens, on va jeter un œil. Écoute... Mange-toi de sortir. Maintenant, écoutez. Il y a des possibilités d'embauche en Afrique du Sud, au Moyen-Orient. Il se pourrait que quelque chose se présente en Amérique du Sud. Quand on appellera votre nom, vous irez là-bas, dans le calme et la discipline. Et vous répondrez aux questions. Steve Colby, approchez. Steve Colby, c'est votre vrai nom? Ça a une importance? Non. Êtes-vous recherché pour un délit particulier? Pour retard dans le règlement de vos impôts, monsieur Colby? Non. Eh bien, dans ce cas, qu'est-ce que vous foutez là? Je suis bien coté sur le marché mondial. J'ai pensé qu'un entraînement spécialisé augmenterait mes atouts. Quel genre d'entraînement spécialisé? Je crois que vous êtes en contact avec un dénommé Sekura, qui entraîne le ninja. Et j'aimerais apprendre. J'aimerais aussi si je savais ce que c'était qu'un ninja. Y'en a pas un qui pourrait nous dire ce que c'est, ça? Ce serait pas une marque d'appareil photo japonais? Monsieur Colby, j'ai bien peur que vous ne soyez venu ici pour rien. C'est dommage. Pas autant que vous le croyez. Vous pourriez peut-être nous faire une démonstration. Prouvez-nous que vous êtes aussi fort que vous le prétendez. Une autre fois. Hé là! Tu t'en vas quand on dit de t'en aller. Tu comprends, abruti? Tu vas voir ça, je vais t'en foutre plein la gueule. Tu veux encore essayer? Ok, ça va. Vous nous avez montré tout ce que vous savez faire. Je trouve que c'est inutile d'en rajouter. Je peux m'en aller? Oui, et tâchez de ne jamais revenir ici. Vous continuez. Togo, que Scott James soit venu ici, ça n'a rien de très surprenant, mais qu'on lui ait donné le nom de Sekura, ça l'est plus. Et qui vous a averti de ce qui allait se passer? Et nous êtes venus inutiles, on doit s'en débarrasser. S'il faut réfléchir avant de décider, c'est tout réfléchi, vous allez la tuer.
pas vous n'aimez pas Arlette? Cet abruti ne se décidait pas. Tout ce qu'il faisait, c'est d'aller de plus en plus vite sur des routes de plus en plus petites. Oh, vous avez une façon très personnelle de juger les héros shakespeariens. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Je vous assure, ce n'est rien. Laissez-moi seulement une minute pour me calmer. Peut-être que... Non, je vous en prie. Si vous ne me dites pas ce qu'il y a, je ne peux vous être aucun secours. Oh, je suis désolée. J'en ai tellement assez de vivre dans cette peur continuelle, me demandant quand ils vont... Quand ils vont faire quoi? Prenez-moi dans vos bras. Serrez-moi. Quand t'en auras assez de renifler dans les coins et que tu passeras vraiment à l'action. Quand je saurai vers quoi m'orienter. Et mon œil, il sait où s'orienter. Tu fais tout ce qu'il faut pour te trouver mêlé à certains trucs. Qu'on n'ait pas à te reprocher d'être obligé à te battre pour en sortir. C'est de l'intelligence ou de la sagesse? Et combien de temps que tu joues à ce petit jeu qui consiste à aller à la recherche du passé? Se lancer dans ces sortes de recherches n'a rien de très amusant. 3 ans. Et longtemps que je te l'ai dit. Je savais que tu tiendrais pas et j'avais raison. Alors pourquoi je pars demain pour Cielo? Meilleure question, pourquoi serais-tu resté ici pour voir l'expo? Et pourquoi tu t'entraînes tous les jours? Lors de mon prochain séjour ici, il faudra qu'on prenne un verre ensemble. Faut pas que tu t'en ailles avant d'avoir vu Tibor. Qui est Tibor? C'est une sorte de banquier pour groupe terroriste. Je ne crois pas que ces gens sont assez intelligents pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Et ce Dogo n'est rien de plus qu'une agence pour l'emploi un peu particulière. Il se fichait perdument des terroristes et des mercenaires. Et ça lui est égal de savoir à quoi sert l'argent une fois qu'il l'a procuré. Cependant, Tibor a réussi à se faufiler à l'intérieur du terrorisme. Merci, mais reconnais que c'est un sujet qui ne me concerne pas. Sujet qui ne concerne personne. Jusqu'à ce qu'il y ait encore un avion détourné par ces salopards et quand des innocents seront retenus en otage ou tués. Je suis en admiration devant la façon que tu as dédramatisé les choses. Il y a de quoi l'être. Envoie-moi tes patates pourries. Casse-toi de là, pauvre connard. Ta gueule, PD. Choisis de maîtriser cette arme-là. Pourquoi? Est-ce que tu en aurais peur? Peut-être. Qu'est-ce que tu fais là? Dogo m'a demandé de lui prendre un dossier. Tu sais que personne n'est autorisé à venir seul ici? Ta conduite commence à m'inquiéter sérieusement. On m'a donné un ordre et je l'exécute. Je suis bien censée être au service de Dogo. Ici, ce n'est plus un camp, ça devient une couveuse pour tueurs. Dis donc, tu pourrais être reconnaissante quand t'es mise en sécurité jusqu'à ce que ton groupe soit reformé? Reconnaissante? Dogo m'a dit qu'il comptait me confier une mission en Égypte. Tu sais ce que ça signifie, l'Égypte? Une montagne de dollars pour lui et le privilège d'être massacré pour moi. Allez, fiche-moi la paix. Donne-moi ça. Oh!
Vous ne vous seriez même pas connu sans moi. Je suis le responsable. Le pont qui vous a unis. Il n'est pas trop tard. Je peux encore changer les choses. J'ai besoin de votre aide. J'aime la façon dont vous dites, s'il vous plaît. C'est seulement parce que j'ai peur de vous. Oh, c'est stupide. Si vous aviez voulu me l'arracher des mains, je n'aurais pas pu vous en empêcher. Et maintenant, je pourrais être morte. Je savais que je courais ce risque, et je n'ai pas agi en conséquence. Je suis du genre qui ne prévoit jamais. C'est pourquoi je vous ai vu au camp d'entraînement. Je peux m'asseoir. Ça va prendre du temps pour expliquer. Mmh. La fille a déserté. Ça fait la cinquième personne cette année, Dogo. Est-ce la cause que je crois connaître? Est-ce que vous manqueriez d'inspiration? Donc, qu'est-ce que vous racontez avec votre inspiration? Considérez une chose. Les recrues sont parfaites quand elles sortent des mains de Sekoura. Et le temps qu'il passe chez vous est... Sekoura est un fanatique. Et je suis un homme d'affaires. Maintenant, malgré tout le plaisir que vous semblez tirer de cette conversation, je pense que je vais vous quitter pour aller rechercher la fille. Trop tard, mon ami. Sekoura a déjà envoyé les meilleurs éléments de sa troupe à sa poursuite. Mais oui, ça prouve bien ce que je vous disais. C'est un fanatique. Ça, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'à cause de ce petit incident, Sekoura a rompu le contrat qui nous liait. À partir de maintenant, il n'est plus question d'accepter de prendre nos recrues pour les entraîner. Alors je crois que l'heure a sonné pour le bain de sang. Vous en êtes incapable. Tout le monde, mes parents, enfin tous, aucun d'eux ne vivait. Ils se contentaient d'exister. Toutes sortes de choses horribles pouvaient se passer dans le monde, ça ne les concernait pas. Et j'avais envie d'avoir quelque chose à aimer, d'avoir une raison de vivre. Alors je me suis mise en rapport avec Dogo, et cela s'est terminé dans le camp d'entraînement de Sekoura. Je ne peux pas vous aider. Vous devez faire face à vos responsabilités. Merde. Je ne sais pas pourquoi je suis venue vers vous. Vous valez pas mieux que les autres. Scott, ouvrez cette porte! Désolée, je n'aurais pas dû venir, mais il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Vous avez vu Eiji? Non, pourquoi? Parce que... Qui est cette fille? Aucune importance. J'ai une chose à vous dire qui va sûrement vous contrarier. Je vous écoute. Je n'ai aucune nouvelle de Eiji. La dernière fois, on devait se retrouver au... Oh, je crois qu'il est parti à la recherche de Sekoura. Quoi? C'est un peu facile de me le reprocher. Je ne vous ai rien dit. Si on doit s'en prendre à quelqu'un, ce n'est pas à moi. Je n'ai pas l'intention de servir de bouc émissaire. Il y avait un feu d'allumé et je l'ai attisé sans m'en rendre compte. Mais pourquoi? Les comment sont sans importance. Vous vouliez un homme pour cette mission, vous en avez un maintenant. C'est vous que je voulais parce que vous auriez pu réussir. Je vous en prie. Aidez-moi à le trouver. Pourquoi ce changement d'attitude? Non, mais à quoi ça sert de discuter avec vous? Je le retrouverai. Si ce n'est pas vous qui le faites, ce sera moi qui le trouverai. Vous sauriez me dire comment rejoindre le camp de Sekoura? Non, je ne peux pas vous indiquer le chemin, mais je... C'est pourtant là qu'on vous a entraîné. Mais je sais que c'est là que j'ai été entraîné. Seulement, c'est un peu plus compliqué que ça. Eiji, Dieu merci, je croyais que tu étais parti. Je m'apprête à partir. Mettez ça dans le casier de Scott James. Entendu? Non, ne pars pas. Pourquoi? Tu sais que c'est bon de défendre une cause. Oh, bien sûr que je le sais, ça te donne l'impression d'être quelqu'un d'important. Je n'en ai pas l'impression, j'en suis sûr. Non, c'est faux, tu as l'impression que Scott est supérieur. C'est stupide, on ne compare pas les pommes et les oranges. Si c'était Scott qui partait, tu essaierais de l'en empêcher? La question n'est pas là, Eiji. McCann, je te l'ai dit, on ne compare pas les pommes et les oranges, ça n'a rien à voir. Allez, repas.
Par là. Pourquoi j'ai tellement froid? Attendez. Dogo. L'ordure. Un de ces jours, il va falloir que je le tue. Appelez la chambre de Scott James et tu lui dis descendre. Ok. Vérifie la destination de ce taxi. Non. Je viens de voir des flics qui approchaient de l'hôtel. Allô? D'accord. Restez là. Chose que j'aime particulièrement dans la pensée orientale, c'est l'épée à double tranchant. Exemple, ne pas prendre part à l'action est une action. Tu n'en as pas assez de me forcer la main. Oui, je déteste tout cela, mais je connais mes limites. Maintenant, Sekoura les a dépassées. Où vas-tu? Chercher Aiji. Trop tard. Un taxi l'a déposé à l'aéroport il y a une demi-heure. Il n'y a pas qu'un avion qui s'envole. Pas ce soir, pas là où il va. En plus, tu auras besoin de visa. En supposant bien sûr qu'Aiji parvienne à atteindre Sekoura. Où se trouve son quartier général? Certains prétendent au Venezuela, d'autres disent au Brésil. Moi, je crois quelque part en Amérique centrale. Je te fournirai les meilleurs gardes du corps. Je n'en veux pas. Tu les auras quand même. Pouvez-vous me mener à Sekoura? D'accord. Je ne saurais vous dire comment, mais je vous y conduirai. Mais Sofa est à vous, on partira demain matin. Vous savez, c'est surtout Sekoura que j'ai voulu fuir. Moi aussi. Alouette, gentille alouette. J'en capille ma veille la quête. Thank you.
Tes clients se sont pleins du bruit, qu'est-ce qui se passe? Croyez bien que j'en suis tout à fait désolé. On est jeunes mariés et on s'est un peu laissé aller. Oh, je vous demanderai de modérer vos ardeurs. C'est promis. J'ai déjà dit de ne tirer qu'une fois qu'il touchait le sol. Vous allez me chercher les autres et vous me nettoyez tout ça. Après tout ce cirque, tu ne veux toujours pas la peau de Sekoura? Tout ce que tu veux, c'est arrêter Eiji? C'est ça. C'est ton affaire, je suppose. Ça l'a toujours été. Merde alors, je me sens drôlement soulagé maintenant que j'ai tué ce salopard. Je partirai bien en vacances. Peut-être à Hawaï. Hawaï. C'est surtout le matin que ça mérite d'être vu. En route. Hey, attendez un peu, où on va en premier? Je peux avoir besoin aussi de quelques affaires. Vous inquiétez pas, je vous prêterai mon shampoing. Camilo! Il arrive. Momotkoué! Tu veux l'affronter? Chez Garnetto? Ouais. Amérique centrale, c'est vague, c'est quel pays? Ça, je ne sais plus, c'est oublié. Hé, seigneur. Ce pays d'Amérique centrale, c'est lequel? Personne n'y prêtera attention, allez-vous. Je vous en prie. C'est lequel? Tienes dinero? Hein? Ça fait de l'argent. Vous en aurez. Je vais vous le dire. Venez. Très bien. Tout est en règle, vous inquiétez pas. On en aura pour longtemps? Oh, 2 heures environ. Puisse faire pour vous. Quand cesserez-vous de me considérer comme une lépreuse? Désolé, ça n'est pas intentionnel. Bien entendu, je n'irai pas jusqu'à me présenter comme un modèle de vertu. Mais vous savez, je n'ai encore jamais tué personne. Je n'ai même jamais fait de mal à personne. Sauf à Jimmy Suttles, qui avait fait exprès de jeter mon cochon dans un feu. Vous aviez un cochon? Ce n'était pas un cochon, c'était le cochon. Il avait gagné des tas de prix. Nous sommes encore loin. Je vous l'ai dit, à 60, peut-être 70 000.
Qu'importe ce que vous pensez de moi. Je crois que dans la vie, vous avez eu plus de chance que je n'en ai eu. Mais comment ça? Peu importe ce que Sekoura est devenu. Vous aviez un frère et un père à respecter quand ces choses-là étaient importantes. Si en naissant, on savait ce que la vie nous apportera, on n'aurait plus la moindre raison de vouloir grandir. Aura. Essayez de dormir. Ce serait plus facile si je pouvais me rapprocher. わかってるだろ。 Si jamais demain je ne suis pas revenu, tu sais comment contacter McCard. Je me sens mal à l'aise de rester en arrière. Je n'y peux rien, je suis comme ça. Et je fais face à mes responsabilités, quelles que soient les circonstances. Bonne ou mauvaise, j'ai été avec eux. Tout comme les autres, j'ai marché dans cette parade qui a pris le mauvais chemin. Et aujourd'hui, il n'est pas dans mes intentions de me dérober. Alors rattrape ton erreur. Mais pas maintenant. Ni ici. Thank you.
Prends ça. Sois le bienvenu. Scott! Lady. Oh mon Dieu, Scott. Merde! C'est mon combat. Je l'ai choisi. Lady! Je connais le chemin. Sekoura, laisse-le partir. Ton ami t'attend. Ah.
Planté là, tous les deux. On doit nous payer pour qu'on se batte. Voilà la raison pour laquelle on vous considère comme des mercenaires d'occasion. D'occasion? Allons-y. On est dans le camp, vous ouvrez la valve du baril. D'accord. Ah,
toi qui as manqué à la discipline. Tu ne me tourmenteras plus, c'est quoi? Je vais te tuer. Thank you.